Ouais. Derrière toi. C'est une fille? Bad boy? Hey yo tout le monde, Santo Game, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Watch Dogs 2. 1, excusez-moi. Donc. J'ai quelque chose pour toi. Faut qu'on se voit. Se voir. Genre, face à face. Je cherche un mec avec un masque. Non. Contente-toi de suivre le signal. Je croyais que tu rencontrais personne. C'est vrai. Bad Boy 17. Bad Boy 17. Donc t'es où? Waouh, ouais quand même. C'est chaud quand même. Bon, je vais mettre une musique que je connais, attention. Enfin si je la trouve. Non. Elle était bien. Un tout petit peu. Je pense que c'est ça. Je pense. On se souvient plus. Ah yes, on peut même hacker les panneaux, c'est cool ça. Ouais, vous vous souvenez encore quand j'ai joué à Watch Dogs en ligne. Vous dites, mais pourquoi il fait pas le mode histoire? Lui qui adore faire les modes histoire. Normalement, c'est tous les dimanches de Watch Dogs, hein. Vous avez de la chance que c'est les vacances. Bon, bien sûr, pour ce... Oh je parle pour ceux qui aiment bien Watch Dogs. Pas pour ceux qui aiment pas, parce que sinon ça sert à rien. Mais bon, y en a qui aiment pas. Mais ils mettent quand même un like. C'est déjà cool. Mais moi j'aime bien, oh, Jésus. C'est trop bien. Bon allez, on est bientôt arrivé là. Ouais, quand même. Sorry. Allez. Go. Changer ta vie. J'ai souvent engagé Bad Boy et il a toujours protégé son identité. C'est comme ça chez Dead Sec. Maintenant il veut qu'on se voit. C'est pas normal. Je dois le déstabiliser, le faire parler et savoir ce qu'il prépare. Bon, Bad Boy, hein? C'est pas que je t'aime pas. Ah ouais. Derrière toi. Bad Boy 17. Clara. Clara. C'est une fille? Bad Boy? Bon. Je reste un garçon. Tu fais plus que 17 ans. Je fais Bad Boy aussi. T'as surtout l'air imprévisible. J'espère que ça te fait pas trop peur. Pourquoi? J'ai des raisons d'avoir peur. Là, tu deviens parano. Vraiment? Quelqu'un s'amuse avec
même moment, ce mystérieux bad boy veut me rencontrer. Et le boy est une fille. Il y a de quoi être parano. Écoute, j'ai besoin de te faire confiance, Clara. Pas de place, je n'ai pas confiance en toi. Mais voilà une bonne raison de m'écouter. Le texto que tu m'as envoyé, je sais où retrouver Steve. Ok, mais c'était pas la peine de se rencontrer pour ça. Non. Il fallait se rencontrer pour ça. Tu voulais les codes de piratage de Dead Sec? T'as fait ça pour moi. Tu devrais être plus sympa avec moi. Parce que je peux changer ta vie entière. Pas la première à faire ce genre de promesse. Ils font tout leur sale boulot avec ce truc. Et ils savent pas que j'y ai fait. Tu l'as volé. C'est très puissant, tu sais. Alors fais attention. Si tu fais le compte, des gens peuvent être blessés. Au pire. Ouais. Je crois que tu me fais pas confiance. Donne-moi une raison de te faire confiance. Le gars du texto, comment on trouve? On bosse ensemble. Toi, tu te mets sur ce que j'ai envoyé. Et moi, je repère son signal. Pas vraiment comme j'imaginais. Toi, par contre, t'es sans surprise. Aiden. Ok. Faut que j'aille où, là? Encore des points de compétences? Nouvelle compétence débloquée! Conduite. Objet à fabriquer. On va mettre objet à fabriquer, on va. Plus permis de récupérer la santé. Ça, c'est nickel. Autre chose. Piratage. Autre chose? Non. Salut, je parle à Bad Boy là, ou à Clara. Oui, on va simplifier. Voilà. Bon, ça va pas être simple de remonter jusqu'à ton type. Il est malin. Il a réacheminé son appareil. Il est malin, le lynx. Bureau du City West. Service client, employé, cadre, ce genre de choses. Une tour de bureau. Faut qu'on arrive à accéder au système. Tu me fais entrer, et je te le retrouve. Je vais passer par la zone la plus vulnérable du bâtiment, là où ils reçoivent les livraisons. On dirait que c'est sous terre. Dans le tunnel. Je vais essayer par là. Au fait, désolé pour ma réaction de tout à l'heure. Oh, t'essayais juste de m'intimider? Ta façon d'enquêter sur mon espace personnel, tes regards, le contact physique. T'es un vrai cas d'école, toi. Tu cherchais les failles. T'en as trouvé? Ça, c'est mon secret. Allez, pour le deuxième. Je vais utiliser la caméra. Lui, on peut lui faire diversion. Où est mon argent, putain? Quel argent? Vous êtes trompé de numéro. Tu te fous de ma gueule en plus. Je te laisse jusqu'à demain si tu veux pas. C'est un accident. Ok, je l'ai, je vais te l'amener. Ah, il faut que tu donnes du fric, hein. Non, apparemment c'est rien. Bah si, c'est quelque chose. Car t'es mort. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu devrais pas être là. Tu devrais être assommé, normalement. C'est le but du jeu. Oh putain, je suis repéré. Puis en plus, il n'en manque plus que deux.
Putain, je vais pas gaspiller mes balles pour eux, quoi. Putain, elle fait chier. Qu'est-ce qu'il y a mes balles pour ce petit con hein. Putain, c'est dur à les viser sur sur Watch Dogs. C'est vrai, je vais débloquer cette compétence aussi. Allez, one shot! Qu'est-ce que je fais, moi? Ils sont d'ici que. Couillon celui-là. Ah ok, donc je vole des armes, les armes des autres. C'est cool ça. Ah mais non, déverrouille, déverrouille, c'est bon. Ça au moins c'est fait. En plus, c'est un silencieux. Putain, il entend pas. Chut, t'as rien entendu. Et t'as rien vu aussi. Ça marche super bien le truc de ralenti là. Mais non. Yes. En plus de ça, c'était le dernier. C'est cool ça. Allez, let's go. Putain, encore ça. Ah mais... Ah bah voilà, tout simplement.
Donc je pense qu'il fallait mieux faire comme ça. Et voilà. Alors, c'est toi ? Jean Bradley, là, je suis pas cool. Oups. T'arrives à tracer l'appel? Attends, je lance la recherche. Oh, merde! Les flics sont en route. Ils utilisent un scan qui va être super difficile à éviter. Faut que tu te tires de là. T'inquiète pas, regarde. Les flics me recherchent. Putain. Alors, utiliser brouillard. Empêcher le scan de vous détecter pendant empêcher sans doute vos ennemis d'appel des renforts de la police. Fabriquer des brouillards. Sélectionner R. B. Ok. C'est tout. Ok. Il est où le brouillard? C'est pas ça? C'est de ma gueule là. Eh ben. Attends, attends. Oula. C'est bien chaud là quand même. Il me dit utiliser le brouillard. Putain, je dois tout recommencer d'ici. Putain, quel con. Le brouillard. Attends, attends, je regarde bien les explications d'abord. Je regarde le bonhomme là. C'est ça le brouillard, donc ça vient d'ici. Ah ok, il faut d'abord le quitter. Donc en gros il faut faire. Ça vient d'ici le brouillard. Putain, il faut savoir ça vient de... Pourquoi je suis con? C'est bon, t'es connecté. T'arrives à tracer l'appel? Attends, je lance la recherche. Putain, saute ta race, 3 ans lui. Ils utilisent un scan qui va être super difficile à éviter. Faut que tu te tires de là. Les flics me recherchent. Je vais pas pouvoir m'échapper. ZSEC aurait pas un truc pour brouiller les scans? Attends. Allez. Seize, quatorze, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Et sinon c'est quand que c'est fini? Oh! Mission accomplie. Enfin, merci.
grave. C'est comme s'il voulait que tu le retrouves. Alors on va surtout pas le décevoir. Bon, en tout cas les amis, ça va être tout pour l'instant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur Watch Dogs 1. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu, abonnez-vous. Et on se dit dans une prochaine vidéo. Même si j'ai fait le con un peu à la fin quand même, j'ai explosé tout seul. Ciao.